Et salut tout le monde, c'est Little Astro Gaming. Aujourd'hui on se retrouve avec Dans la Noire, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui on va se faire des petits combats deck pair et impair. Voilà. Alors, le problème c'est que là, juste avant on vient de faire une vidéo. Mais ça a bugué. Ça a bugué, regarde pas mon deck. Hein. Oui, t'inquiète. Donc, on a le combat où j'avais le deck impair. Et où Tornade Noir avait le deck pair, donc voilà. On va le diffuser pour vous. Et après on fera le combat en live, mais inversement, ouais. Où j'aurai le impair et lui et le moi le pair. On parle d'élixir, hein, en disant pair et impair. C'est logique. Pour des personnes logiques. Illogique pour des personnes illogiques. Okay, bon. Alors, moi, là, c'est de mon point de vue, donc je commence avec un petit géant. Voilà, un sorcier derrière. Un sorcier. Moi, je vais défendre avec Tesla. Tesla. Et la petite Tesla. Ah, la petite Tesla. Petite mousquetaire en fond. Au fond. Et une Valkyrie pour défoncer le sorcier. Ouais, j'avais totalement oublié la Valkyrie. Ouais. Ma horde de gargouille ne servira à rien du tout. D'ailleurs, ton... Ouais. Mon géant aussi. Ouais, mais bon. En fait, j'ai posé plein de cartes qui n'en servaient à rien. Hein. Ouais, en final, c'est une paire d'élixir. Parce que surtout que moi, j'ai dépensé moins d'élixir que toi. Et après, bah, il met son gros bébé, lui. Ouais. Ça, c'est le gros bébé à Léo. Enfin, ça, sincèrement, dans le top 3 des cartes qui font le plus gerber, le géant royal, c'est le premier. Quand tu vois un géant royal comme ça qui fait piou 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 et tu peux rien faire, ça fait vraiment gerber. Ah oui. Bon, j'adore cette carte. Là, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas à me jouer, c'est parce que sans Foxtrot, j'avais joué la bûche et tant d'années, on m'a dit, hey, mais c'est père. Et j'ai dit, ah oui, mince, attends, tu fais que j'arrête. Il dit non, ça va, on continue. Du coup, j'ai pris un. On s'est dit, c'est pas grave et tout. Du coup, on a perdu un peu de temps, mais bon. Là, sans le vouloir, j'ai posé la Tesla un peu trop à sa droite. Ouais, mais à gauche pour toi. Voilà, c'est ça. Donc là, je place mon sorcier de glace aussi, là, normalement. Non, mais trop en arrière. J'aurais pu garder cette tour. Ouais. Mais enfin, bon, après, tu perds les sorciers de glace quand même. Ouais. Mais tu le perds quand même après. Ouais. De toute façon. Alors là, sans faire exprès, j'ai encore joué la bûche. Mais si je me souviens bien, je l'ai pas rejoué du combat. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que je savais qu'il pouvait jouer le sort de clonage puisque c'était un pair et c'est une très belle carte. Mais du coup, faut jouer toujours les défenses à droite parce que du joueur qui joue le clonage, puisque les clones vont à droite. Vont à droite et ils sont one-shotés par les. Enfin, ils vont à gauche. Ils vont à gauche de votre point de vue, hein. Mais à droite du point de vue de l'adversaire. Alors que les vrais vont à gauche. Voilà, ok. Bon, là, je vais faire quelques dégâts avec... Ouais, je trouve mon géant. Là, c'était le double géant. Vraiment, le géant royal, c'est hyper rentable parce que ça fait énormément de dégâts. En même temps, ça tank. Et puis, si tu mets une petite route derrière, ça détruit la contre-attaque. Ouais, là, par contre, vous allez voir, c'était horrible ce que j'ai fait. Ah oui. Ah oui, non. Là, c'était un drame. Mais vraiment, un gâchis d'élixir, mais pur. Et toi, t'as oublié ce que j'ai comme carte. Voilà. Le sort de clonage qui a servi à rien. Il s'est fait one-shoter par les petits esprits de feu. Donc c'est comme ça que j'ai perdu contre Tornade Noire. Ouais, encore une fois. J'ai gagné contre quelqu'un qui a 4 légendaires, j'en ai pas. Ça, là j'en ai utilisé 2 hein, ouais. Dans ce deck. Dont une que j'étais pas censé jouer, donc... Ouais. Avant j'ai hésité à dire, ah bah si tu veux on recommence, mais bon il a dit non. Du coup, on continue. Alors, maintenant ton deck... Attends, je vais te dire. Ton deck est-il prêt? Oui, c'est bon. Donc, on va faire le combat maintenant où c'est Tornade Noire là qui va être impair et Little Astro pair. Ok, surtout n'hésitez pas à rejoindre le clan Les Mini PK. Oui, on vous le répète trop, mais vraiment ça nous ferait très plaisir. Bah, moi là, je suis descendu à Arène 5 exprès. Enfin, même avant, je descendais à Arène 3 et tout. Attends, je vérifie, ouais, j'ai que des pairs. Pour troller un peu les gens et gagner beaucoup de couronnes pour qu'on avance dans le coffre du clan. Voilà. Du coup, c'est pas pour rien que j'ai gagné dans les 220, dans les 230 couronnes pour le clan. Le deuxième, il était à 216, c'est Jeannot 115. Ouais, je crois, ouais. Voilà, et puis... Puis presque tout le monde participe, même un petit peu. C'est... Ouais. Et même, hein, si vous jouez pas beaucoup, c'est venez quand même dans le clan, chaque couronne compte. Donc, Ouais. Oh, par contre, là, j'ai fait une petite connerie. Ah, moi aussi. Ouais, oui, prince ténébreux sur chevalier, c'est pas du tout rentable. Non, je pensais que ça allait. Bon, bah, des deux côtés, on va. Oh le. Oh non! Oh le chien, c'est ça que t'allais dire? Mais en plus, j'adore le GL, c'est une de mes cartes préférées, mais c'est lui qui l'a joué cette fois-ci. Trahi par sa carte préférée. Ouais.
Ça, bon, c'est une de mes cartes préférées, par contre. Ouais. Sans aucun doute. Ouais. Et une mienne aussi. La carte préférée de Little Astro Gaming. N'hésitez pas à l'acheter. Ouais. Bon, ça va être chaud parce que toi, tu m'as descendu une tour, mais t'en as deux aussi qui sont à moitié de points de vie. Ouais. Donc là, je vais descendre. Enfin, je vais. Ok, bon, je vais essayer de descendre ta tour quand même parce que. Ok, donc tu vas pour celle-là, toi ? Ouais, enfin, bah, je... regarde les points de vie. Ouais, j'avoue, moi aussi, j'attaquerai celle-là. Hein. Parce que c'est un peu débile d'attaquer. Hop, on tue les petits squelettes. De toute façon, j'aime bien le golem de glace. Peut-être que je le joue pas vraiment dans mes decks. Mais je l'aime vraiment. J'ai très mal placé mon armée squelette. On va essayer de descendre ça, là. Allez, allez, un coup. Non. Terminé. Ça. Ok, alors, les petits archers. Bonjour. Oh non. Ah oui, c'est vrai, tu peux jouer le cochon, toi. Bah oui. Très bien joué. Oh le mais ça, c'est mon combo que j'utilise en vrai combat. Ça, c'est le mien. Voilà. Ouais. Je l'ai utilisé dans mon deck squelette géant, hein, mon deck gros bébé. Capote. Donc là, on va faire la... Dépense ton... Oui, dépense ton élixir. Oui, je suis content, moi. Non. Ah oui, mince. Bah oui, moi, je suis content. J'oublie. Et tu te rappelles pas? Non, bah si j'oublie, j'en rappelle pas, non, effectivement. Je sais. Ok, bon, là, je vais prendre très 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 cher. Ok, alors je vais mettre ça. Mais alors, vraiment, quoi. Ah oui, non mais... Hop, on va défendre aussi un peu, là. Peut-être qu'on fait un peu des pushes, là, d'un côté, mais on défend aussi, de l'autre. Non. Alors voilà, on se fait un deuxième. Allez, petit push. Pitié, prends la tour. Non, il va pas avoir le temps. Bon, tant pis. Là, c'est fini pour toi, hein. Ouais, non, c'est bon. Dans tous les cas. Allez, on jette. Oh non, bon, ouais. Bien joué. Ouais, bon combat. Aussi. Bon, bah, celui qui jouait les paires a gagné à chaque fois. Ouais, c'est les paires hein, qui gagnent. Alors, on a... Tu veux qu'on se fasse un dernier combat ? Sûr. Moi, je pensais peut-être garçon-fille. Ouais, ok. Mais alors, du coup, on joue pas les cartes où on a des doutes. Hein. Ouais. Genre les gargouilles, tout ça. On joue pas les gargouilles, le golem, golem de glace. Et par contre, défenses, par et contre PK et mini PK, c'est des filles. Okay. Ça a été prouvé par Supercell, il y a un youtubeur, il a demandé et tout, et ils ont dit que c'était une fille. Okay. Donc, je vous mens pas, c'est Chief Pat si je me souviens bien. Donc allez vérifier sa chaîne. Je sais plus dans quelle vidéo exactement, mais... Enfin, ils ont fait un défi fille contre garçon. Qui veut prendre fille, qui veut prendre garçon? Qu'est-ce que tu veux prendre? Moi, je veux bien prendre fille. Moi aussi, je veux bien. Bon, allez, pierre, feuille, ciseaux. Une manche. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, okay. Tu m'as toujours, toi. Oui, oui. Alors, attends, okay. Je vais prendre... fille, je pense. Ok, tu prends fille, comme d'habitude. Est-ce que Willis, c'est un garçon? Quoi? Bah, non, c'est un gars tout en pierre. Non, pas en pierre, mais... Attends. C'est un monstre. Ce gros bonhomme. Ok, bah vas-y, c'est un garçon si tu veux. C'est un gars qui a beaucoup de boutons. Oui, aussi tous les squelettes, sauf la sorcière, tous les squelettes. C'est pas des humains. C'est pas des humains, donc on les prend pas. Ouais. Le golem, on prend pas, le squelette géant du coup. On a le droit à un bâtiment quand même. Enfin, c'est un peu les gobelins, on n'a pas le droit. On peut dire qu'on a droit aux gobelins qui spawnent des troupes qui sont humaines, genre les casernes de barbares. Ouais. Après, ça m'avantage que moi. Bon, bien sûr, le zapier, on compte pas et pas de ça, ok ? Oui, bien sûr. C'est bon, on commence. Ok, bon. Ah oui, attends. Peut-être que j'ai pas assez de filles, moi. Non, mais vraiment, là, je me fous pas de ta gueule. Attends, compte combien t'as de filles ? Alors, 3. Six, sept. J'ai 7 filles. Ah non, donc je vais devoir prendre les filles. Bon, bah, je vais devoir prendre les filles. Voilà. Malheureusement, je me suis dit, oh bah tiens. Ah, bah maintenant, j'aimerais bien avoir les filles. Enfin, les garçons. Les esprits de feu, c'est quoi? C'est rien. Ok. Mince. Les gargouilles, c'est rien. C'est pas top. Bébé dragon, c'est rien. C'est rien. Quand je me suis raté là. La meilleure chanson au monde. Si tu veux, on a le droit à l'extracteur d'élixir, c'est tout. Ok. Ça t'avantage pas mal, mais bon. Un petit challenge, ça va. Parce que lui, il va jouer le PK. Hein. Oula, moi, je... Oui, c'est vrai, j'ai oublié une carte. Ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un petit ça là, tu vois, le petit ça.
Et pas de sort du coup, pas de sort. Ah ouais, pas de sort. Pas de sort. Bah, ça va être YOLO quand même. Attends, sort. Je parie que je rate une fille là. Bah oui. Je rate bien une fille là. Très grosse fille par exemple. Très grosse. Ok, c'est bon, vous avez vu mon deck hein. Ah, le PK bien sûr. Alors attendez. C'est Mini PK qui a pris des burgers. Je demande. Alors. Je ne suis pas prêt encore. Il me reste une carte à choisir. Moi. J'ai des possibilités, mais j'hésite. Donc, si vous voulez plus de détails okay, du clan. C'est bon. Moi, ça s'écrit comme ça, hein, vous pouvez voir. Description. Donc, les mini PK, tout espacé et une majuscule au début de chaque mot. Il est marqué ici donc. Ils peuvent voir. Oui, je sais, non, mais pour qu'ils retiennent. Donc là, on est 11 dans le clan. Oh, le pire, bon, il a mis 59. C'est vrai? Ouais. C'est parti. Donc toutes les deux semaines, vous allez gagner un coffre de clan assez haut. Ouais, pour notre niveau, ouais. Ouais. Enfin, oh non, l'erreur. En fait, en spawnant, quand j'ai commencé le combat, il y avait une carte sélectionnée et j'ai appuyé sans vouloir. Ouais. Ah, ça c'est ballot. Ouais, bon bah du coup, je vais essayer quelque chose parce que un sorcier gâché, ouais, c'est pas très... C'est pas très bien quoi, un sorcier gâché. C'est le mec qui sait plus parler. Un sorcier glacé. Ah. C'est pas mal. C'est égal au Phi. Au Phi, tu te souviens? FY, Frozen Yogurt. Ah. Don't stop me. Mini PK. C'est d'ici que tient le nom de notre clan, d'une chanson qu'on a créée avec un ami qui s'appelle Vous. Qui jouait à Clash Royale, il a arrêté de jouer malheureusement. Chaque fois, quand Clash Royale est sorti, on chantait Mini PK, Mini PK. Oh mince. Ouais, non, par contre, c'était pas très malin. Ah, c'est remarquable. Mais j'avais peur que le PK. Mini PK. Mini PK. C'est très cher comme tout ça. Mini PK. Mini PK. Mini PK. Bon, t'as fini ton délire, s'il te plaît. Mini PK. Je m'étais pas rendu compte que mon push, il lui avait foutu cher quand même. Alors, moi, j'aimerais bien. Ah oui, mais du coup, tu vois quelle carte j'ai. Quelle carte t'as? Ah oui, mais. Je regarde pas. Moi. Tu joues Mini PK. Mini PK, c'est une fille. Oh mince. Ah oui, bah toi, c'est comme la bûche c'est en enfer. C'est comme la bûche en enfer. Oui, sauf que moi, j'avais perdu. Là pour le moment t'es en train de gagner donc Oui mais alors c'est pas très... Mini PK il a fait zéro coup hein, il m'a pas aidé à gagner. Ouais mais tu es certaine de mes troupes. Ah oui, bah, c'est un archer. Ah oui t'as raison. Ouais, non il a aussi fait des dégâts. Mes condoléances hein la tour. Léo nous quitta trop tôt. Comment est-ce qu'il est quand... Non, est-ce non, qu'il est mort non, pas le PK s'il te plaît. Oh j'ai pire que ça. Oh non, on a même pas de sort, on a même pas le ressort. 4. Non. What the... Donc ça c'est le gros push. Ouais, d'accord, je te l'accorde, c'est le gros push. C'est très gros push ça. Oh mon dieu. Avec le mini PK. Mini. Où je vais prendre. T'aimes bien les 5 mousquetaires toi. Mais si j'avais le fireball, je t'aurais défoncé. Attends, est-ce que c'est les 3 étoiles? Oui, j'ai gagné. Oh mon dieu, si j'avais une fireball, le massacre que je t'aurais fait. J'ai pas placé mes 3 mousquetaires avant. Hein. Je voyais, tu jouais ton sorcier là, j'ai même eu peur. Ah, hein. Mais quand j'ai vu que on va s'arrêter sur ça. Ouais, parce que la vidéo est trop longue. Alors, on se dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu. Voilà. Dites-nous. Dites ce que vous pensez de moi et s'il vous plaît des bons commentaires. Oui, dites que des mauvais commentaires. Non, je rigole. Soyez gentils avec lui. Alors, dites-nous des bons jeux recommandés. Hein, ouais. Pour voilà. Qu'on puisse y jouer. Si vous aimez Tornade Noire. Mmh. Et on se dit à la prochaine. Et s'il n'y a pas encore de vidéo avant Noël, bah joyeux Noël. Et ouais. S'il n'y a pas encore voilà. Si vous avez des decks que vous voudrez tester mais que vous n'avez pas les cartes, bah demandez-nous et puis dans les commentaires et puis on peut peut-être faire ça. Ciao.